Nous retournons avec le professeur Venus Darius, qui est professeur, directeur du affaires académique dans ISTEA. Nous allons regarder avec lui question éducation, projet université ISTEA, qui est affilié à UQAM Montréal. Nous allons passer à revue ISTEA, qu'on s'allie, ça a réglé dans le pays, ça a l'offrir en termes de discipline, et garder tout, n'est-ce pas vrai, et qui débouchait, n'est-ce pas, des jeunes capables de joindre à travers présence en centre universitaire, tant qu'ISTEA. Professeur Darius, merci un peu parce qu'on est disponible pour TNH Patéa. Merci Serginho, et merci à staff technique. Là. Et me salue de façon spéciale et tous les téléspectateurs qui ont écouté l'émission mise au point. Parfait. On démarre donc avec ISTEA, présentation de l'université. Ça. Bon, ISTEA, c'est l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti. Son institution universitaire qui offre des programmes de maîtrise au niveau du doctorat et de la maîtrise particulièrement. Mm-hmm. Donc, il prend des sciences en 2013. Ça va le faire 5 ans bientôt depuis que nous souterrains. Hein. Mais ISTEA, c'est petite institution qui est le GRAN. GRAN, c'est le groupe de réflexion pour une Haïti nouvelle. Son institution qui prend des sciences dans la foulée du tremblement de terre de 2010. Après le tremblement de terre, là, un groupe chercheur, intellectuel, professeur d'origine haïtienne qui est à l'étranger, bien entendu, ils ont été réunis, il y a des professeurs de plusieurs continents, ils ont été réunis pour voir comment ils ont été participer à la relance du développement pays, à contribuer et de façon plus générale à développement pays. Donc, professeur, ça a été réuni à Montréal, et plus précisément à l'Université de Montréal, et il y a un pile professeur UQAM, professeur McGill, il y a un pile d'autres professeurs autour, dans l'autre continent, en Amérique du Nord, en Afrique. Tout est réuni au bail naissance à Grandmont. Grandmont, c'est lui-même qui prend naissance en 2010, ça va être un du terrain, mais c'est lui-même qui voit le bail naissance à ISTEA, qui c'est institution ça, qui bail des programmes de maîtrise et de doctorat qui est à la fois en ligne et en présentiel. Alors, on dit programme de maîtrise, pour qui ça choisit ça, pour qui ça ne pas gagner des programmes de premier cycle, la professeur Darius. Oui, c'est ISTEA, nous choisissons pour venir dans le pays, hein, nous pas choisi pour nous venir dans la logique de polémique. Nous plus choisi pour nous venir en appui aux autres institutions universitaires qui existent déjà sur le terrain. Donc, c'est la raison pour laquelle vous pouvez aller avec eux. Toute université qui est souterraine, c'est des partenaires. Donc, non seulement il y a des cadres qui ont fait maîtrise et doctorat à la CAI, il y a des études de DSS également. Mais tout, nous faisons des programmes de recherche conjointement avec eux. Donc, nous voyons qu'il y a près de 300 universités dans le pays. Hein, qui fondamentalement, il y a plus de 300 dans tout le pays, hein, mais qui baillent des programmes de premier cycle. Mais jusqu'à l'année où nous sommes venus en 2013, pas de gain vraiment une institution universitaire qui a bâillé des programmes de doctorat et de maîtrise. C'est vrai que bon programme est à l'UEH, qui c'est l'école doctorale, il y a l'école doctorale tout dans l'autre université. Il y a un peu le programme de maîtrise tout. Oui, il y a un peu le programme de maîtrise, je crois que c'est mon programme et doctorat et école doctorale, mais ce n'est pas des programmes côté que. Et les professeurs sont en Haïti, ils dispensent des cours en Haïti. Mais ISTEA, c'est différent. Donner du programme de doctorat et de maîtrise à l'ISTEA, ce n'est pas des programmes côté que étudiants, il y a un co-tutelle, du moins c'est les professeurs et se trouvent dans une autre université à l'étranger. Donc les professeurs, ce que nous dit ISTEA, c'est les professeurs qui sont à l'étranger, qui vivent en Haïti, ce n'est pas de préférence étudiants qu'à l'étranger. Donc en plus le programme de doctorat, et le cas d'étudiants qui fait tel programme dans telle université, alors que l'étudiant c'est à l'étranger l'aller. Donc nous-mêmes, il y a des professeurs qui sont là en présentiel, il y a des professeurs qui sont à l'étranger, qui dispensent leurs cours en disant par vidéoconférence, du moins en mode asynchrone, qui déposent le contenu sous plateforme noire. Donc c'est ça. Donc nous-mêmes nous baillons des diplômes en Haïti, même quand 80% des professeurs nous trouver dans les grandes universités en Amérique du Nord, particulièrement et en Europe. On regarde les disciplines que nous offrons au niveau ISTEA. Bon, à l'ISTEA, nous dit les programmes à l'ISTEA, nous avons environ 9 domaines qui sont divisés en spécialités. Nous avons près de 34 spécialités.
Donc, grand programme, en sciences éducation. Sciences éducation, il y a des gens qui viennent là-dedans, qui font des doctorats de maîtrise. Et dans la chimie, dans mathématiques, dans biologie, etc. Mais il y a deux programmes qui fondamentaux, deux spécialités qui fondamentales, c'est et la gestion des systèmes éducatifs. Donc, on est pays, il y a un pile, j'aime dire, il y a plus de 300 universités, il y a un pile doyen, un pile recteur, un pile directeur et école supérieure, mais pas de bon côté qu'à former les gens, qu'à former des formateurs. Donc, dans la gestion des systèmes éducatifs, et nous former des formateurs. Par exemple, hier, moi, j'étais dans l'ICP, côté que j'étais pris en part à une remise de parchemin. Ce qui s'allie, c'est ISTEA. Et de concert avec le ministère là, qui était formé 4 ministères d'éducation nationale. C'était un programme de plusieurs mois, qu'on a nous formé 4 jours. Donc, graduation, c'était hier, donc, du point par la donne. Donc, non seulement à l'ISTEA, à travers le programme gestion des systèmes éducatifs, nous former les cadres des autres universités, mais tout nous former des cadres des institutions et en éducation qui souterraine. Donc, c'est ce programme qui est de grande importance. Bien tout l'autre programme dans sciences éducation que nous relais formation à distance et e-learning de nos jours ou pas qu'à parler de éducation, de gestion éducation, de mise en place du système éducatif sans qu'on pas faire allusion à formation à distance. Donc c'est la raison pour laquelle nous parlons formation maîtrise de doctorat en formation à distance. Mais parallèlement à domaine sciences éducation, il y a sciences de l'administration, il y a sciences de la gestion. Il y a tout un programme en sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement, il y a ingénierie. Donc, il y a un ensemble de programmes comme ça à l'ISTEA. En tout, nous avons 9. Parfait. C'est ça. C'est ça. Mais est-ce que, au fait, programme ça, nous arrivons à mettre au campé sous base problème ou bien nous identifions une demande pour la population en Haïti ou bien c'est peut-être que nous décidons au niveau université que bon, là, c'est qualité programme ça, on a offert tout bonnement. Oui, ISTEA il prend naissance dans le contexte pour aider les pays à développer. Donc ça veut dire que pour nous arriver à ça, premièrement, nous viser, choisir des programmes bien déterminés qui participent à développer le pays. Certainement, il y a plusieurs programmes qui existent déjà. Nous avons choisi tel autre programme, par exemple le programme en droit. Mm-hmm. Nous voyons qu'il y a un pile avocat dans le pays. Mais ça va veut dire que le programme de maîtrise et de doctorat n'est pas important pour le pays. Mais il y a un pile d'école droit et nous avons jugé bon, par exemple, un programme en ingénierie, par exemple, une spécialité génie des ressources hydriques qui gens ou qui transforme de l'eau ou qui comme si gérer question de l'eau usée. Nous connaissons Haïti sous pays insulaire, donc nous avons un contexte. Nous sommes île, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait un pile côté dans le pays à manquer de l'eau. Donc, une gestion de l'eau qui n'est pas faite. Donc, ça, nous avons l'important. Par exemple, il y a un programme en sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Et il y a un pile, la dame gonchère en transformalisation des produits agricoles. Donc, on a un pile produits agricoles qui fait dans le pays, mais il y a fait dans les sections communales, quand il y a des gens qui n'ont pas de moyens, pas de route, donc il n'y a pas de conserver les produits d'une part, et d'autre part, il y a un problème d'expertise, il y a un problème, il n'y a pas de gens pour transformer les produits. Donc nous cherchons en commercialisation des produits agricoles. Ce cher bon professeur d'origine africaine, ce so canadien qui fait entrer dans le pays. Hein. Bon, mais ça fait près de 6 mois qu'il est là, cap travail pour commercialisation, hein, comme si pour sur le tant sur le plan national que sur le plan international, pour voir qui gens nous travaillent dans ce secteur. Donc, et discipline que nous choisissons, on a des spécialités que nous choisissons, c'est des spécialités nous voyons que qui fondamental pour le développement pays. Ça va veut dire que l'autre pas important, mais nous choisissons, ça nous juge bon, qu'à plus permettre pays hein, et sortir, et, du moins c'est aller plus loin dans le chemin de développement. Parfait. Mais est-ce que vous demandez pour question maîtrise à doctorat, nous connaissons, en plus, les jeunes qui rentrent dans le premier cycle en Haïti, ils n'ont pas bouclé ce que vous voulez. La gare des données disponibles, ont vraiment montré qu'en plus, les jeunes qui commencent dans la première année, et leur arrivent dans la quatrième, cinquième, sixième année, quand ils ont quitté vraiment les petits. Et est-ce qu'au niveau de l'ISTEA, on demande pour des programmes de maîtrise, des programmes de doctorat, professeur Darius? Oui, donc l'IPA, même bien quand on soulève le point ça, au niveau du premier cycle,
et tout étudiant qui quitte et secondaire là et ouvre à l'université, ça c'est fondamental. Donc ça veut dire que c'est comme une pyramide, tout autant qu'on monte pyramide là, il vient réduite. Donc au niveau doctorat c'est, et de la maîtrise, c'est vrai que pour faut maîtriser en ISTEA, au moins il faut qu'on gagne une licence. Donc ça veut dire que si on n'a pas gagné une licence, hein, ou bien tout, s'il pas déposé licence, hein, mais qu'a dit même moi, l'attendre 2 ou 3 mois avant que lui fait soutenance. Il dit directement que le public que nous gagnons, hein, marché nous, hein, il réduit. Donc c'est ça, la le public il réduit. Donc nous pas gagné. On a dit, même demande que nous, le monde doit gagner, comme si l'université au niveau de licence, le premier cycle doit gagner. Mais tout gagne, il y a un pile de monde dans le pays, hein, qui te fait des études de maîtrise à l'étranger, qui te fait des expériences à l'étranger, soit qui travaille dans le pays, hein, et qui gagne des responsabilités au niveau de l'État, au niveau du privé, pour une raison ou pour l'autre, qui n'a pas qu'à voyager. Bon, là, je ne dis pas qu'à voyager, ça ne veut pas dire que le monde, parce qu'il y a une interdiction, ou bien des bons problèmes visa, bon, c'est pas ça, c'est des gens qui n'ont pas qu'à voyager. Donc, ou bien qui voulaient contribuer, dès qu'à dire, à l'avancement science qu'ils ont là-dedans, non? Qui connaissent ou qui valent ISTEA, donc ils ont inscrit là avec nous pour faire des maîtrises et des doctorats. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui là avec nous, c'est des professionnels qui travaillent, qui ont plus d'expérience à l'étranger. Pour notre pays, donc nous avons quand même un peu de monde qui est intéressé à vos gammes. Parfait. Et pourquoi? Et comment ça y est? Est-ce que grand monde financé mais subventionné étudiant ou bien pas de subvention du tout? Non? Bon, il y a plusieurs niveaux que nous avons question ça. Bon, en principe, et chaque année, nous avons dit que c'est comme ça, tout bagarre, comme si ça avançait. Dans un premier temps, nous-mêmes, nous travaillons sur base d'excellence. Il y a des gens qui inscrivent, ça va dépendre de qui moyenne nous en fait, ça va dépendre de tout. Suivant l'institution, nous en faisons, hein, que nous avons une entente qui fait à ISTEA, nous avons un programme de subvention dans le sens ou dans l'autre. Mais nous n'avons pas dit un programme de subvention de façon systématique à l'ISTEA. Mais il y a des possibilités, et c'est au cas par cas, et c'est suivant mon cabinet, suivant l'institution, suivant l'année. Qui a fait qu'on a pris en compte. Mais nous avons un programme de subvention de façon systématique à l'ISTEA. Un étudiant qui t'a appelé et tu fais maîtriser ou bien doctorat à l'étranger, est-ce que l'ISTEA a facilité, par exemple, puisqu'on est affilié à l'UQAM, par exemple? Oui, donc l'ISTEA, je me dis, hein, nous affilié à l'UQAM, certes, mais l'UQAM, Université Montréal, c'est des universités. Donc, a dit, nous vraiment affilié avec eux. D'ailleurs, les plus grands responsables. Disons, les premiers responsables de l'ISTEA, si nous prenons par exemple le professeur Pierre Toussaint, qui est vice-président aux affaires académiques, lui-même, c'est dans l'UQAM, c'est un pile professeur. Samuel Pierre, lui-même, c'est l'Université Montréal, plus précisément à Polytechnique Montréal. Samuel Pierre, c'est lui-même qui est le président ISTEA, donc l'Université Montréal. Donc, l'Université Montréal et l'UQAM, c'est deux. Et plus grande université de Cadie en Amérique du Nord. Là-dedans, nous avons non seulement mettre ressources yo, et à la disposition, nous, ressources matérielles, yo, mais nous mettons également ressources humaines yo, à la disposition. Yo. Mais ça ne veut pas dire que c'est non seulement deux universités, ça, nous avons. Parfait. Bon, à l'ISTEA, nous avons près de 210 professeurs associés, c'est-à-dire que c'est des professeurs qui sont disponibles pour dispenser des cours là avec nous. Mais professeurs, ça, nous trouvons dans beaucoup de grandes universités de l'Amérique du Nord, même les plus grandes universités comme l'Université Montréal, l'Université Laval, UQAM, McGill, MIT, l'Université de Chicago, et également des universités en Amérique du Nord et en Afrique, à Casablanca. Donc, c'est Mundouke, un paquet de monde qui l'a, université qui va nous et Dieu, non, sans ou non l'autre. Vous voulez rechercher très important dans le programme maîtrise doctorat. Il connaît en Haïti, bah, ça fait défaut. Même pour petit, mon premier cycle, Dieu seul sait combien ça m'a demandé. On est dans l'université d'État, on ça m'a parlé exactement. Maintenant, au niveau ISTEA, ça m'a fait souci. Là. Si vous avez une maîtrise doctorat, vous voulez rechercher très poussé. Non? Oui, c'est une très belle question. À l'ISTEA, ça fait un an, nous avons inauguré 7 centres de recherche. Ah bon? Bon, c'est des centres de recherche, nous bien quand on soulève des questions ça, qui mettent nous en relation avec
non seulement les autres universités en Haïti, mais les universités à l'étranger. Ça veut dire que les gens qui sont dans le centre de recherche, ou bien dans UCAM, ou bien dans MIT, ou bien dans l'Université Laval, ou bien dans TELUC, ou bien un peu partout et dans le monde. Donc c'est cette synthèse qui est faite entre les universitaires du monde. Là, on a parlé de centre universitaire, nous avons un ISTEA. Donc, centre universitaire en mathématiques. Par exemple, dans le mois d'avril, on a eu un événement au CAP, une semaine scientifique. Tu as une mini-école de mathématiques, tu as des scientifiques, des mathématiciens, et d'un peu partout dans le monde, d'origine africaine, de l'Europe et de l'Amérique, qui étaient là, d'Haïti, pour pendant une semaine, et tu as dispensé des cours de haut niveau de mathématiques. Il y a un centre de recherche en gouvernance et éducation. Donc, ça veut dire que hier, on t'a parlé de tes graduations, tes graduations, nous t'ai fait pour les cadres du ministère de l'Éducation nationale. Donc, dans le centre de recherche et éducation, le ministère de l'Éducation nationale, il peut aller bon, il coûte pas pour le porter là bien, et employé, disons, les cadres, ils peuvent participer dans un centre de recherche. Il y a un centre de recherche en technologie, il y a un centre de recherche en sciences et moléculaire du vivant, un centre de recherche en commercialisation des produits agricoles. Donc, c'est un ensemble de centres de recherche qui, au nombre de 7 que ISTE a créé, et qui vous permettent de rechercher à avancer dans le pays. Donc, c'est pour nous dire que qui dit études de maîtrise et de doctorat dit recherche. Ça veut dire que parallèlement à centre de recherche, ça y est, les étudiants en maîtrise et au doctorat qui ont fait des recherches. Parce que pour gain maîtrise, il faut qu'on présente au mémoire sur recherche. Pour présenter au doctorat, faut présenter aux thèses. Thèse-là et doctor et maîtrise-là, c'est deux œuvres étudiants ont préparées qui permettent science que vous la donnez, domaine que vous la donnez, avancer. Parfait. Donc ça veut dire que donc recherche à l'ISTEA, qui dit ISTEA, et une volet qui est fondamental. On dit c'est la recherche. Parfait. Et les professeurs, parce que là, là encore, c'est un autre problème pour le pays. En plus, dans le cadre de nos papes vivent à Haïti, et nous avons un programme de maîtrise, un programme de doctorat, et même dans l'université, on y a plein, par rapport aux professeurs qui ont dispensé des cours, les étudiants qui ont fait état, c'est des professeurs qui seulement ont licence, et puis quand on a dispensé des cours en un niveau licence, comment nous gérons l'aspect ça, et est-ce que c'est seulement des professeurs qui sont à l'étranger, qui dispensent des cours en un niveau ISTEA? Bon. Et oui, c'est une différence fondamentale entre ISTEA et en plus l'autre université dans le pays. Donc, pour professeur dans ISTEA, et condition numéro un, c'est faut qu'on ait un doctorat. Tout professeur honnête. Tout professeur honnête. Parce que sur base de données ISTEA, vous cliquez sur professeur, vous apportez tout professeur, non seulement vous avez titre, mais vous avez dans quelle université, dans quelle institution qui est. Soit aller chercher l'institution, ou supposer que le professeur aller là-dedans. Et sous les 20 thèses de soutenir tout après. Thèses de soutenir, articles scientifiques que le professeur allait publier, et l'autre recherche les fait dans l'autre université. Ça. Tout ça le fait sur le plan social, de pouvoir aller sur base ISTEA, ou cliquer sur le professeur, ou avoir tout le détail. Ça. Ça veut dire que, donc ISTEA, si on a pas de programme de maîtrise de doctorat, c'est des programmes qui sont censés universel, c'est des programmes que nous baillons pas à l'aune du niveau de développement d'Haïti. Ok, ça veut dire que quel que soit côté où il y a, et où dit où faut doctorat en ISTEA, les grandes universités ou bien des professeurs qui font quoi à l'ISTEA. Donc ça veut dire que nous pas qu'à bailler une formation au rabais, une formation compétitif. Et formation noire, oui, sous forme de formation, j'aime dire, est très compétitive en ce sens que j'aime dire là, c'est tout. Et c'est les meilleures universités dans le monde qui contribuent avec nous. Et j'aime dire là, et ça, il y a comme formation, il n'y a pas coupé la donne. Ça veut dire que c'est même gens qui ont dans l'université, qui ont enseigné, c'est même gens qui ont dans l'ISTEA. Un jeune qui a regardé là, qui a été intéressé, il fait un programme de maîtrise ou un doctorat dans l'ISTEA, condition c'est qui ça a eu et qui ça a eu fait. Bon, dans un premier temps, faut, et, si c'est un programme, je n'ai pas de trop précision sur ça. Et là, nous dit maîtrise, bon, il y a trois niveaux de programme. Il y a DSS, qui est diplôme supérieur spécialisé. Et là-dedans, nous avons une licence
mais il veut faire étude et il pas présenter mémoire. Donc il a seulement fait les 30 crédits et que nous demandé pour ça un diplôme de SST. Mais le programme maîtrise, ce programme côté que nous non seulement il boucle 30 crédits, hein, mais tout 30 crédits de recherche qui va le droit à une mémoire. Il faut une mémoire que va le présenter devant des membres du jury. Après, il y a un doctorat lui-même qui s'est. Il faut 30 crédits de cours, mais il y a 60 crédits de recherche qui peuvent être bouclés par et thèse, là, qui est le travail fondamental scientifique que mon doctorat a fait. Donc, pour, dans tout programme, ça, pour inscrire, il faut remplir le formulaire d'inscription qui est en ligne, ou une photo passeport pour bail, une photo format passeport, ou bien photocopie diplôme, ou photocopie. Et relevé de notre yo, on a bien un certificat de bonne vie et merci pour bail, mais il faut autour et payer 750 gouttes qui c'est les frais d'inscription. Donc c'est tout ça. Côté à une formulaire là. Le formulaire là, il est sur le site ISTEA. Bah, c'est dans www.istah.edu.ht ou bien www.istah.org. Donc, et nous avons dit inscription à l'ISTEA, il va poursuivre parce que nous commençons depuis le mois de décembre, mais nous avons jusqu'au 22 juin, il y a des gens qui veulent et postuler pour le programme, nous avons un programme de l'ISTEA. Mais nous avons dit tout à l'ISTEA, là, nous disons l'ISTEA, nous pas seulement pour le prince, nous avons 6 villes dans le pays, hein. Nous à Inch, nous au Cap, nous à Saint-Marc. Nous à Jacmel, nous au Caï. C'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait un cours dans la ville ça. Oui, ça veut dire que nous, quel que soit le monde qui est dans la zone ça, il y a un cours directement dans le site qui est dans côté lien, donc et par vidéoconférence. Vidéoconférence. Maintenant, et physiquement, si vous voulez visiter nous, qu'est-ce que ça vous fait? Côté bon, local, nous y Port-au-Prince. Bon, Port-au-Prince, nous sommes dans Delma 60, et oui, et merci la RAM numéro 10, c'est le site Port-au-Prince. Hein. Mais tout et il y a un autre grand site monde qui est au Cap qui va suivre nous qui va visiter nous dans le collège Regina c'est là c'était au Cap en attendant que dans Génie Paé que Génie Paé qui sont localité dans Milo c'est là et localité à l'Ukalier très bientôt parce que nous avons un programme l'autre bois un programme de développement dans Génie Paé Milo. Et après ça, nous avons un bon, sur le site, là, après toute information par rapport à l'autre site, et j'aime te dire là, au Caï, Jacmel, Saint-Marc et un ça ne pas que tu as dit matin, quoi, tu souhaites dire, que nous finissons. Bon, ça ne m'a pas dit, c'est ISTEA. Bon, nous pas fait trop bruit parce que il y a eu bon vin, il n'y a pas tellement inventé. Mais. Ah bon vin pour l'ancien. Oui, c'est ça. Mais, nous, on a dit tout le monde que pour l'instant, bon institut qui souterrain qui est ISTEA qui baille des programmes de maîtrise de doctorat de DSS et un programme qui universel un programme qui de haut niveau côté que y a pas besoin quitter pays pour aller à l'étranger donc nous mêmes nous venons joindre pour nous baille au programme ça donc pour visiter site nous j'aime te dire tout à l'heure www.istah.edu.org ou bien il y a quelqu'un doit comme si Bekadi passer visiter nous dans le local nous qui a pas au prince j'ai dit tout à l'heure et après tout détail et donc toute information la suscitant donc nous à la disposition yo donc n'attend tout le monde si monde qui va faire inscription jusqu'au 22 juin n'attend yo pour venir inscrire dans l'ISTEA. ISTEA, Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, ISTEAH. Et maintenant, je prends plaisir par la professeure Vénus Darius, qui est une responsable académique, centre université SA, qui abaille des formations en maîtrise, acte, en doctorat. Merci, professeur Darius, c'est ton plaisir. C'est sûr que ce n'est pas la dernière fois qu'on a parlé sur ensemble de contributions ISTEA. Développement pays. Merci Serginho et je salue merci à tous les téléspectateurs qui étaient prêts à temps pour autant de nous. Merci. Voilà, professeur Darius Vénus de l'ISTEA pour deuxième partie mise au point aujourd'hui. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Soutenez là en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci, professeur.